C'est bien ça, pour le coup, je pense que le reste je ferai sur Europe. On est parti. Troisième partie de l'aventure, les rues de Dalaran. Monte un peu le son. Moi c'est pas trop fort, mais je pense que c'est bien. Alors on a deux nouvelles classes, prêtre et voleur. On part sur quoi les gars? On avait déjà fait mage, chaman, chasseur sur d'autres parties. Tétre, j'ai changé le tétre frérot. Le tétre est changé. Le tétre est changé hein. Go voleur, Odaf et le prêtre. Ok ok. Pas trop le choix. Furtif. Alors, on va voir quoi. Toujours ça qui fait le... Ah, les deux jours ne peuvent avoir que 4 serviteurs. Ok, très bien. Ok. Ça va, les cartes qu'on a sont bien. Hein. On a cette petite combo là. Bon bah. Même la coiffeuse est contre nous. Coupe les cheveux à serviteur allié et le dote d'une coupe aléatoire. Pas ce que c'est. Comment copier le code d'un deck? Comme quand tu copies n'importe quoi sur internet, enfin tu copies quoi. Normalement tu fais droit copier ou bien CTRL C. Et puis après quand tu vas dans le jeu, bah il te propose de le coller quoi, de le copier. On va juste garder ça, le petit théâtre. Grâce à ce contrat de Dériade. C'est vrai que ça pas de cheveux, tu fais comment? Pourquoi pas le mauve? Ça vous irait bien. Les rues sont étroites, mais rôder dans des allées sombres, c'est notre spécialité. Étrange. Et du coup, ça, c'est ce qui bloque le board pour limiter. Mais ça, on va avoir toute l'aventure, j'imagine. Elle vous sourira pour peu que vous soyez assez rusé. Est-ce que du coup ça, si on les place au centre, ça peut bloquer des trahisons hautes, j'imagine? J'imagine qu'il y a des lire comme ça. Genre si je le place là, ça pourrait éviter des trahisons, des météores ou autres. Allez. Ça fait un bail que j'ai pas joué, c'est une nouvelle extension. Oui, c'est une nouvelle extension et là c'est l'aventure. Forcément, j'ai pas pu avoir une arme pour avoir l'étal maintenant quoi. Ça me va. Le premier, c'est easy, c'est normal. Après, normalement, en mode normal, l'aventure doit. Ça va passer quoi, c'est plutôt le mode héroïque où ça peut être un peu plus tordu. Bien que le mode héroïque, les deux premières parties, on avait bien géré. Alors, qu'est-ce que vous voulez prendre? Effet passif, recycleur. Une fois qu'un serviteur allié meurt, gagne 2 poids d'armure. Y'a ça, on veut ça, donne parfois bon conseil, ça c'est trop insane. Non, on veut ça nous. Ressort coûte de la vie au lieu des cristaux de mana. Non, on veut ça nous. On veut le jeu en vert. Des conseils, évidemment on veut les conseils. Ça c'est mort hein. Ça c'est naze. Ça peut être ok mais bon il faut voir les decks adverses. Ça me paraît tendu. Ah il y a tout qui me paraît un peu tendu là en vrai. Le problème c'est qu'on a les places limitées donc ça est-ce que c'est vraiment bien? On entend trop les gens. Oui, mais c'est parce qu'il y avait Chap qui était à côté, donc c'est normal que tu entendais beaucoup Chap. Il était juste à côté, il gueulait. Donc c'est normal.
Peut-être Ziliax, ouais, mais je sais pas. Ces deux cartes là sont ok. Et le mec génial, on peut dire que c'est ok. Je sais pas. J'ai pas donné mes cartes dans le deck, hein. Ça me paraît chaud quand même, hein. Ziliax? Allez, go. Ajoute un tour de magie aléatoire dans votre main. Pour lui, hein, pas pour moi. Ok. De toute façon, au pire, on pourra retirer peut-être le T9 plus tard, le mec junior avec le. Avec Bob. Avec Bob. On a les mots de Bob d'ailleurs dans le chat. Où est-ce qu'il est, Bob? Ah, le voilà. Regardez comme ça. L'ombre s'est pété. Ah voilà, vous avez trouvé Bob. Vous avez trouvé Bob. Ok, on a la synergie ombre sensei. Je me suis assuré que vous jouiez en premier. Merci Jean Vert. Faut toujours lui dire merci, hein. Merci Jean Vert. Merci pour tes précieux conseils. Merci Jean Vert. Donc, il a transformé ma carte en légendaire, hein. Ok. Merci à lui. Je pense qu'on va trade. Protéger à Grenouille. Bon, en vrai, on aurait pu aller face, vu ses nombres de poids de vie. Bon, go face en vrai. C'est les premiers go face. Boum, boum. Je fais mon TFE sur les jeux vidéo, qui serait dispo pour quelques questions. Alors je t'avoue que des TFE, genre je dois recevoir, on me demande au moins 4-5 fois par mois pour des TFE. Donc c'est un peu tordu de dire oui à tout le monde. Au début je le faisais, mais j'en ai répondu masse des questionnaires, tu vois. Faudrait limite genre... Faudrait une secrétaire pour trier les demandes. On voit toujours un message sur Twitter en MP, mais je t'avoue que niveau timing, c'est pas toujours évident. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut? Des pirates. Ah mais on a pas de pirates. Si, j'ai un Forban, mais un matelot, mais bon. Ouais. On s'en veut pas, ça. Ah mais qu'est-ce... Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh! Moi je prendrais bien le premier, ouais, je pense juste que le premier c'est le meilleur. Go. Toujours délicat, c'est ça. Jamais évident. Étrange occupation pour un art. Merci à toi, Nemtekla. Je dois réviser, bah, bonne révision. Envoie-moi toujours un message, Hagrid. Envoie-moi un message. Pour que j'ai une trace écrite. Affiche un point de dégâts à l'adversaire au point de vie les plus bas s'il meurt recommence. Oh! Pourquoi ça Butterfly Vince a drop alors qu'il est à 3-0? Parce que ben. Il a eu la bonne idée de commencer un tournoi alors que. Qu'il est en Espagne pour du poker et du coup bah il y avait son tournoi de poker qui commençait. Donc bah forcément il a dodge quoi, donc il a le tournoi de poker. En même temps il a raison, c'est en Espagne, il va pas, enfin il a pas eu raison sur le fait de lancer son open en fait, ça vaut aucun sens. T'es en Espagne, tu peux jouer au poker, bah joue au poker et quand tu joues pas au poker repose-toi un peu tu vois. J'avoue que j'ai pas compris l'idée. Bah, après ça 8h poids de vie, tant pis je m'en fous, je prends ça go. Ah bon conseil. Il faut pas les demander, faut pas les demander, faut pas les demander. Ils arrivent tout seuls.
Je combats. Tu vois, à mon avis, si je pose un serviteur là, bah forcément il bloque le boost. Hein. Bon, je t'avoue que j'ai pas trop de raison de tester comme ça. Hein. Prenez quelques copies supplémentaires. Le boss ne dira rien. Merci, géant vert. Putain, c'est quand même le boss, le géant vert. Aïe aïe aïe. Quel boss. Ouais, parce que là, il va faire son pouvoir héroïque de merde. Bon, au pire, s'il le fait, ça me dérange pas trop. Hein. C'est quoi serviteur inactif? Bah c'est justement la règle du ce mode de jeu là, en gros c'est que le board est limité. Et il a régalé les gens verts, j'avais pas de main à jouer. Allez-y, piochez-en une autre. Il me file une drôle de plus le con. Ah quel boss. 3, 6, 8, 10, et on a l'état avec les bananes de l'adversaire. Merci encore Jean Vert. Bon, c'est fait carry pour les bons conseils là. Là clairement c'était des conseils de qualité. Je valide. Quelques copies, j'avoue, il m'a filé dans ma foule quoi. Je rappelle je le fais sur un AI parce que bah, j'avais commencé sur le serveur américain, du coup bah autant le finir là. On dirait un mini dieu très ancien. L'orbe inflige 20 points de dégâts répartis entre tous les adversaires. J'avoue, pour 4 de mana, c'est pas mal ça. Et ça, ça ajoute 3 cartes aléatoires dans votre main, elles coûtent 0 cristal. Ça, c'était fort, ça, c'était vraiment, vraiment insane. Monsieur Musk, il est vraiment insane parce que le problème de ça, c'est quand on arrive sur le dernier boss. Quand on arrive sur le dernier boss, bah, c'est bien de mettre 20 points de dégâts, mais. Ah, quoi. Monsieur Musk, c'était vraiment fort, hein. Surtout s'il file des copies, le bon conseil. Et ça, c'est quoi? Affiche un point de dégâts, vous piochez une carte. Ok, ça fait tout quoi. Affiche un point de dégâts, vous piochez une carte, vous gagnez un point d'armure, avec un robot, ça améliore à chaque tour. Ok, oui, non, c'est. Oui, non, ok. C'est une sorte de fléau, je sais pas quoi là. Moi j'ai quand même envie de prendre Monsieur Muscle. Ouais, tu peux trop piocher avec ça. Moi j'aime bien prendre Monsieur Muscle. Alors, on a encore du synergie mecha là, ça commence à devenir intéressant parce que ça veut dire que j'aurai double Ziliax, double Dragonnet. Donc quelques mechas. J'ai le mecha là, mais bon, un peu moins bon. Et j'ai le golem qui peut du coup synergiser avec le Ziliax également. Ça c'est sympa. On n'a pas assez de synergie arme, je pense. Le dernier c'est naze. Bah, par défaut, celui-là. Hein. Surtout que Monsieur Musk, tu as T4, c'est Game Breaker. Ah, Bob! Bob, les gars! On a l'emote! Vas-y. On veut des copies de Monsieur Musk dans le deck qui commençait avec Monsieur Musk en mode départ. Alors, vous choisissez un serviteur adverse, l'ajoute dans votre deck d'aventure. On pourrait rentrer Kel'Thuzad. C'est pas incohérent. C'est probablement le mieux à rentrer des 4. Si on rentre quelque chose, on rentrerait plutôt Kel'Thuzad. Retire tous les serviteurs alliés présents sur le plateau de votre deck de l'aventure. Tous les serviteurs alliés présents sur le plateau de votre deck d'aventure. Ouf. Bof, j'aime bien garder quand même l'ombre aux Ziliax, non, j'ai envie de les garder. Vous choisissez un serviteur allié, ce dernier commence toujours dans votre main. On a tout bah, j'aimerais bien Monsieur Muscle. Vous choisissez un serviteur allié, ce dernier commence toujours dans votre main. Il n'y a pas de serviteur que je veux absolument avoir dans ma main de départ, je pense. Pour avoir ça en T1, bon, c'est pas non plus Godlike. Bah, la ville épée, il faut essayer de l'activer, quoi. Mais ça peut être une option, oui. De toute façon, je peux pas tout jouer, j'ai que deux pièces donc il faudra que je choisisse entre choisir un serviteur adverse, virer tout, je pense pas.
Un serviteur allié, ça commence dans la main, je pense pas. Je choisis ça, un serviteur allié, il gagne plus 4, plus 4, mais coûte 2 cristaux de plus pendant cette virée. Ah, ça, j'aime pas trop, hein. C'est bien Xiliax, mais. C'est 2 de plus, quoi, aussi. Ombre TA boosté. Mais elle sera pas TA, en fait. Il commence juste dans ma main. Et ça, c'est quoi? Recrute un vétéran, découvre un serviteur légendaire, l'ajoute dans votre deck d'aventure. Moi j'aime bien tenter ça et limite prendre Kel'Thuzad, non? Vous préférez Vilépine? On prend ça? Dernière carte? Vas-y, on teste ça. Un très bon choix. Notre convive fait partie des habitués. Probablement Graal. Probablement Graal, hein. Genre en plus si j'ai Kel'Thuzad ça peut être débile. Bon après j'ai des Iliax tout ça qui sont pas incroyables et les Dragonnets mais... Matelot boosté c'est pas si mal. C'est vrai que le matelot boosté ça peut être vénère. Mimiron, mais fermez-la! Mais en plus, je peux même pas la jouer parce que. Enfin, si je peux, mais j'ai 3 slots sur le board qui sont bloqués, c'est terrible en fait. Non, je prends Graal. Vous voulez juste que je perde, je vous connais, bande de salauds. Votre objectif, c'est pas de me faire gagner. Est-ce qu'on ajoute un truc? On ajoute Kel'Thuzad? Comme ça, Graal Kel'Thuzad? Prenez votre temps, profitez de l'ambiance. On a double Ziliax pour le cover, moi ça me va. Boost le matelot, mais non, mais non. Oh, vous vous faites de nouveaux amis? Ouais. On pourrait virer ça pour essayer de booster un peu le truc, le Graal, mais bon, je pense que ça me va quand même. Amusez-vous à semer le chaos et la destruction. Quel ça va être compliqué la taille du board. Wouah! Le but c'est de le faire avec 2-3 serviteurs, hein, pas 7. Lance un sort aléatoire pour chaque sort lancé pendant cette partie. Cible choisie au hasard. Le gros problème en vrai, Myrmeron j'aurais bien pris, mais j'ai déjà les slots qui sont vachement limités sur le board. Et en plus je suis pas sûr d'avoir d'autres mechas, et niveau mecha j'ai pas non plus masse quoi, j'en ai 5 dans le deck. Si j'avais eu un deck full mecha, j'aurais pris, mais. Attends, c'est quoi ce bordel? Lance un sort aléatoire pour chaque sort lancé pendant cette partie. Si je choisis au hasard. Ah ouais! Quelle blague! Je pense que je relance même le T3, j'essaie d'être fois T1, T2. Bonjour Jean Vert. Les légendaires aléatoires, c'est toujours bien. Merci Jean Vert. Bon bah on a gagné. Merci pour tes bons conseils. On va GG. C'est vraiment le pire, putain. Ah, putain, le boss. Je vais l'éloigner parce que si jamais il y a une trahison, je sais pas quoi qui pop, ce sera mieux. Merci, Jean Vert. Aïe, 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 les bons conseils qui payent directement. Ah, j'ai quand même devoir éventail là par contre. Ça c'est du conseil, et oui! Permettez-moi d'ajuster le coup pour vous. Merci Jean Vert, tu lui as fait augmenter le coup, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ça m'aurait. Non, s'il avait mis à 4, j'aurais eu l'étal. Non, j'ai combien? 6, 12, 13, 14. J'aurais pu avoir l'étal là. S'il avait mis à 2. On va faire un appel, non? Oui, c'est marrant. Un tour supplémentaire?
de jouer un tour de plus. Merci Jean Vert. Mais... Quoi? C'est nos matchs. Quoi? Ah, c'est du cheat là, clairement. Ça non, je joue pas les armes. Ah, on peut repartir le délire méca là. On peut repartir un peu le délire méca, ça me fera 3 Ziliax. Vas-y, go délire méca. Ouais, go les mécas. Les mécas en force. En vrai, ça va être pas mal aussi en arène. Je sais pas si vous avez vu les changements. Mais en arène, tu vas avoir Projet Armageddon qui sera en même temps que Goblet avec Gnome. Du coup, il y aura vraiment plein de mécas en arène. Il y aura vraiment être un deck full méca à partir du. Je pense à partir du 3 juin. Ce sera vraiment cool l'arène aussi comme ça. Enfin, cool. À voir quand même. Enfin, un deck thématique, c'est marrant en arène. Inflige 3 points de dégâts à 3 serviteurs aléatoires. Ouais, si j'avais su, j'aurais pris Myrmiron quoi. 3 Zilniax. Ah, 3 points de dégâts à 3 serviteurs aléatoires. Putain, ça peut être fort ça. Ça peut être fort son hero power. Il y a Gervais dans la version héroïque, je sais pas du tout. Ok. Démonstration. Oh, arrêtez de vous faire pousser. Il joue des œufs. Ah ouais, c'est chiant ça. Je me suis assuré que vous jouiez en premier. Merci Jean Vert. Merci beaucoup. T'es le boss. Allez, piochez-en une autre. Personne ne regarde. Merci Jean Vert. Ah, c'est vraiment le frérot, hein. Ah, il a tué. Non. On va mettre Monsieur Musk là, pour se mettre bien. Merci Monsieur Muscle. Merci Monsieur Muscle. Je combat. Pas de chance. Game se passe plutôt pas mal, c'est vrai. T'as le luck. Je sais pas si on peut en parler de chance. Ah, on est pas loin du létal, mais j'aime pas la place sur le board. Monsieur Musk, Jean Vert et Bob, y'a que des bros dans cette aventure, de ouf. Merci bien. Permettez-moi d'ajuster le coup pour vous. Merci Monsieur Musk, monsieur, pardon, merci Jean Vert. Je m'y perds. Franchement, elle est chouette cette nouvelle aventure. Il a ajusté le coup. Ah, c'était bien ajusté. Vos serviteurs ont rué. C'est pas mal ça. Après, j'ai déjà Ziliax qui a rué et tout, mais c'est pas mal. Enfin, c'est vénère comme effet. Genre, on connaît l'effet sur le boom quoi. Vos serviteurs ont plus un, ok. Effet passé, vos cris de guerre se déclenchent deux fois. J'ai pas beaucoup de cris de guerre, hein. J'ai ça. J'ai Monsieur Musk. C'est fort avec Monsieur Musk. Ouais.
Je pense dans l'idée on prend Rué. Je pense dans l'idée Rué c'est quand même le mieux. Même si j'ai 3 Iliacs, c'est trop fort Rué, j'ai l'impression. Moi je dirais Rué. Je pense que même si j'ai 3 Iliacs, Rué c'est trop fort. Sur tout le reste. Y'a plus de mecha là. Ok, on va prendre ça je pense. Ça c'est bien. Ça ça me va. Combo. Les rues sont oppressantes. On va aller voir Bob. Plus en plus ça va vraiment péter. Ouais. Non en vrai plus en plus c'est vrai que c'est pété aussi hein. C'est vrai que plus en c'est sacrément pété. En fait plus en plus est certainement mieux. Parce que bah on a des boss qui jouent pas tellement le board, du coup probablement ouais. Probablement que plus en plus être un peu mieux. En ladder je préfère peut-être ruer ou autre, mais là on est pas en ladder, on est dans un mode chelou. Ajoute tous les serviteurs adverses dans votre deck d'aventure et gagne plus en plus pour se virer. Ça c'est fort. Ça c'est ok, ouais. Pas incroyable. Retire tous les serviteurs alliés présents sur le plateau de votre deck d'aventure. Non ça me va moi. Remplis l'auberge de nouveaux serviteurs, ça peut être bien pour trouver de nouvelles synergies. Augmente de 5, points de 5 vos points de vie de départ. Bof. Ça peut être bien pour trouver Monsieur Musk ou autre en bas de départ. J'aime bien faire ça. J'aime bien faire ça et peut-être prendre ces deux là. Je pense pas que je ferai ça. Oh monsieur Muscle. Monsieur Muscle en mat de départ. C'est que c'est fort ça. Non, oh, je pense qu'on fait juste ça et basta. Ça fait beaucoup ça. Vous devez avoir faim. Merci Bob. À très bientôt. À bientôt. Pouvez pas vous affliger de dégâts. Ok, du coup il a ça va pas safe. Ok, du coup je dois jouer des cartes démo qui affligent les dégâts tout en genre. Du coup le crit de guerre fois 2 aurait été mieux. Bah on peut pas savoir à l'avance, mais oui. Ouais, j'aurais dû prendre le plus en tout cas, je pense. Vous avez raison. Je vais me charger de vous. Lol. Évidemment qu'on le garde. Les trois serviteurs ajoutent 2 cartes la pièce à votre main. Ok. Ce qui pourrait être bien pour activer la VIP plus tard. Pour la chair flanche, l'acier prend le relais. On peut le transformer en légendaire avec Monsieur Muscle. Alors, en vrai, j'ai une main un petit peu lente là. Mais Monsieur Muscle va carry sur tes 4. On juste dag et. Je pense pas que je tape. En plus, il va avoir rué Monsieur Muscle. Il ne fallait pas le garder, il vient dans ta main dans tous les cas. Bah ça change rien alors, non? Ah, tu veux dire que du coup si je le relance, j'ai une carte en plus en main de départ? C'est vrai que je peux Charon. tu veux dire que du coup j'ai une carte en plus? Oui. Ah! Oui, non. Oui, exact. Ok. J'ignorais cette information. Non, c'est comme les quêtes. Bon, apparemment, vous êtes pas tous d'accord. Hein.
Là, du coup, je vais avoir des cartes à zéro qu'on ruait en plus. Oh là 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 là. Bon, il n'y a pas besoin du coup. Chaque fois que votre héros subit des dégâts, il afflige à ce serviteur à la place. Ouais, ouais, ok. Merci Géant Vert. Je pense pas que c'était incroyable, mais je te remercie quand même, sache-le. Je... voilà quoi. C'est vrai que... j'ai l'impression que c'est un peu foutu ma gueule là. Complètement faux. Apparemment le chat ne confirme pas cette information. En tout cas une partie du chat ne confirme pas. Ha! Oh. Oh, j'ai envie de mettre du board, moi. Ah, j'aurais dû prendre le plus en plus, c'est probablement un peu mieux. Quelle tusade! La date cette carte. On va pas faire de VIP initiale de toute façon. Vas-y, je vais y aller comme ça. Peu importe, là celle-là je pense qu'on a gagné cette game. On aurait pu sauver son bouclier mais ça me va quand même. On va pouvoir profiter de ça. Hey, pire carte. Pire carte. Bah bon, là je fais les deux là. Restez un instant et écoutez-moi. Je le magnétise pas pour qu'il puisse le booster. Et au final j'ai envie de protéger son bouclier là peut-être à lui. Du coup je vais faire ça et ça. Protéger les deux autres là. Le bot en face joue mieux que des NAC grand légende. Ah, il se débrouille. Waouh. Waouh. Wow. Il prend pas les dégâts encore une fois. Un gros finish à le sang, ça me tente bien. Ah! Ha! Pas de finish. Oh, la synergie. Et il se défend là en vrai, hein? Eh, il se défend vraiment, hein?
Moi j'étais en mode c'est bon, c'est terminé, mais non, il lâche pas. J'ai Envers, viens nous aider là. Vous vous cachez derrière votre armure. T'inquiète pas, j'ai Envers va venir, il va te corriger. T'inquiète pas. Ah merde, elle est arrivée. Miss Trade. Oups. Ouais, j'ai envie de faire une sieste là. Il y en a combien là? On a combien? Je peux faire ça et ça là-dedans et faire 11, 18, 23. Ouais, go hein. Go go go. Je les ai un peu déconné d'aller avec Armface tant que j'ai pas l'état là. Peut-être qu'il vaut mieux faire ça, ça, ça et trade là, garder les vies. J'aurais même plus pièce ça honnêtement. Hein. Yes ça. On est au quantième là, sixième. 6. Alors, double 6 7 ménestral c'est ok. Ça dans mon deck, je sais pas que ce soit incroyable, ça non plus. Bon vas-y go ça. Vas-y. J'enverrai ta FK, ouais mais bon, ou, il vaut mieux qu'il soit FK là et qu'il soit efficace sur la ce dernier boss tu vois. Donc moi ça me va. Moi ça me va. Pas de problème. Eudora contre Vasno. Il va y avoir du grabuge. Donc est-ce que vous me confirmez que si je le relance il revient ou pas? Oui ou non? Si je le relance, est-ce qu'il revient dans ma main? Moi j'ai l'impression que c'est du bullshit ça. Ne relance pas le T4, moi je pense aussi que c'est du bullshit hein. Je pense que c'est juste que c'est comme la quête, on me le fait à chaque fois à ma départ. Il revient pas, ouais c'est de la merde, c'est bien ce qui me semblait. Parce qu'on l'avait joué la dernière fois et je pensais pas le relancer hein. Vous m'aviez mis le doute. C'est comme une quête, ouais bah c'est ce que je me disais. Je vais être dag. Après, je peux ne pas taper pour le bloquer. Bah, en même temps, il surcharge, je m'en fous. Non, go, go, taper. Je préférais même mettre ça et garder les synergies, je pense. Hein. Les combos. Après, le problème, c'est que j'en ai deux et du coup, ce sera pas facile de tous les activer. Par contre, ce qui est insane, c'est d'avoir rué avec le monsieur Must. Parce que du coup les cartes que je récupère elles ont rué alors qu'elles prenaient pas leur plus 1 à moins que ce soit passif sur tout. Ah, c'est vraiment passif sur tout, même sur ce que je récupère. Yes probablement. Laissez-moi faire. C'est timide. Après ça on a des mechas donc ça c'est bien. Ça c'est naze et ça c'est naze. Enfin c'est naze, on fait avec hein, mais on a pu avoir mieux. Bon, en vrai, je vais le trade quand même. Hey, dégagez. Regardez lui, jamais il va pouvoir booster. Lol. Autrement, je pouvais trade celle-là et mettre 3 face, ce qui était plutôt sympa. Est-ce qu'on pose? Parce que là, j'ai pas de place, non. Non. Ah, c'est terrible ça pour lui. Ah merci Jean Vert. Ah. Ah. Terrible.
franchement, j'ai envie d'y aller avec la dague et le SI7. Faut pas que je tape, parce que si le trade pas, moi derrière je peux le trade et dark trade. Ça va. On va autant que je mette l'ombre, non? Vas-y. Merci Jean Vert. Il m'a un peu baisé là-dessus les gars, ça fait deux fois qu'il me baise là. Ça fait deux fois qu'il me fait de la merde ce con. Ça fait deux fois, il me l'a fait coûter 6 et il me l'a transformé en gras là. Chut, faut pas lui dire autrement il est... Oh ça se trouve bien, donc 6 ruées. Oh putain OP. On le garde pour après. Faut pas parler trop fort parce qu'autrement il entend et du coup il va être vexé. Faut pas le vexer. Il faut pas le vexer. Ok, ça va. C'est bien ça. En plus, il aura rué. Oh, c'est trop bien. En vrai, rué, c'est quand même salement fort. Hein. Bah, vas-y, go ça. Et de toute façon, on a le parchemin en clean. Ah, mais je suis con. Mais je suis foudroyé. Oi, le niveau. Vu que je voulais faire le trade d'abord sur l'autre, j'ai changé d'avis au dernier moment, j'ai order. Order lul. J'ai order lul. Aïe. L'order, les gars. Ah ouais! Ah, il fait des vrais tours là! J'ai pas envie de jouer ça là! Allez, go jouer ça! Ah, mais attends! Attends! Ah! Ah meurt, adverse. Ok, donc c'est pas OTK. Attendez. Oui. J'ai cru que c'était OTK du coup. Du coup c'est ça. Je retape et je refais. Ok. C'est quand même pas mal là. Hein. J'ai cru que c'était mes serviteurs à moi. Ce qui aurait été terrible. Qui aurait été abusé. J'ai cru que c'était allié à me manger. J'en ai mis une coquille dans votre deck. Merci Jean Vert. Il m'a filé un gnome lépreux, le con. Merci Jean Vert, pardon. Non, en vrai, j'aurais même dû le garder en vie là. Et qu'est-ce qu'il fait, Jean Vert? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, merci. Sois pas triste. Si tu es triste, ne sois pas pessimiste. Ok, c'est pas mal. On est bien. Oh, attends, il va trade pour moi. Non, pas lui. Tue les lépreux avant, tue les lépreux, s'il te plaît. Ah, il y a mes chaudrons après, tue les lépreux, vas-y, tue les lépreux. Oh, vas-y. Tue-le. Là, vas-y. Il fait random, il tape random, le con, vas-y, là. S'il te plaît. Il va me filer full lépreux, vas-y. Choke, oui, encore choke, vas-y, oui. Le choke. Encore. Non. Oh, c'est bon. Choke, une chance sur deux. Aïe, il l'a vu. Oh mon dieu, il l'a vu. Yo Marcus, tu vas bien?
Là, ici à côté? Bah normalement c'est dispo, ouais. Quand vous avez un truc la soir? Ce que tu m'as dit? Ok, ok. Pourquoi c'est toujours dans la graine qui se... Oh là là là. C'est quoi qu'il a mis? Réinvoque, ah. Ah, qu'est-ce qu'on fait ici, gars? Après, je peux le tuer, mais c'est cher. Noaille. Noaille. Quel boss. Go jouer Kalthuzad. Ok, c'est pas mal. Ah ouais, c'est vénère ça. Ah ouais. No, 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 no. No. Oh. Ah, il faut que je garde. Tente le grade là. Allez, go. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Faites-moi un gros câlin. Faites-moi un gros câlin. Il ira plutôt taper là, lui. Mais j'ai pas la place là en fait. Faites-moi un gros câlin. Mouais. Où je fais ça, ça et je prends les dégâts. Ok. Double volcan, très bien. Du coup je récupère le mecha. La puissance vient du néant. Je suis pas assez bien là, il faut un petit coup de main du genre vert. On va... J'ai ajouté des serviteurs dans votre main. Pas besoin de me remercier. Ah si, quand même, merci Jean-Vert, parce que j'ai plus rien. Franchement, t'es un rail là. Oh là 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 là. Oh là, quel frérot. Oh là là là. Ah, il m'a régalé là. Aïe aïe aïe. Ah non, c'est cool. Je tue pas parce que j'ai jamais Inao autant que j'arrive pas. Le TC, c'est marrant, hein. Confère aux deux joueurs la puissance du rock grâce à une carte au rift dément. Allez-y, piochez-en une autre, personne ne regarde. Merci Jean-Vert, t'es le boss. On part là-dessus? Pas ouf. Bien. Laissez-moi relancer ça sur une cible aléatoire. Merci Jean-Vert. La game était compliquée et on a eu un petit coup de pouce du destin, j'ai envie de vous dire. Meilleure animation, ouais, de ouf. Mais c'est dommage, ils préfèrent tellement d'animations comme ça dans le jeu, je comprends pas pourquoi ils poussent pas un peu plus, tu vois. Après, c'est peut-être pour à cause des démos build ou autre, tu vois, je sais pas. Mais je pense même pas. J'aurais pu être plus stylé, je trouve.
Pour les gens qui roupent trop. Bon. Je sais pas de quoi tu parles. Aïe 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 aïe. Order loul, kappa. Ah. Le problème c'est que j'ai pas de grosse win condition dans mon deck hein. Du coup je galère sur certaines games. Moi, bouche cousue, que vos pieds ne s'assèchent jamais. Vas-y je vais clean hein. Donc du coup avec ça de toute façon j'ai ça derrière. Tu vas manger du plomb, vermine. Travail terminé. Ouais. J'ai envers ça a une condition. Bah peut-être. J'ai envers ouais. J'ai envers Monsieur Muscle. Après Monsieur Muscle a pas suffi, il m'a fait des trucs vachement early. Du coup ça a plus la merde depuis tout à l'heure. Unité, précision, perfection. Puis bon il a été avec moi et pas toujours avec moi aussi pour la game. Bon il m'a vachement aidé au final mais il y a eu des moments un peu chauds hein. Ouais ça le bloque bien ça. Ça le bloque bien. Moi parler, moi parler. Après ce que je peux faire c'est trade là et le reboost pour après. Ça m'a l'air quand même naze, j'ai juste envie de jouer ça en body je pense. Ouais. Du coup comme ça me va. Le gnome n'est plus dans le deck, c'est à une condition. Ah anti-fatigue. Oh. Aïe 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 aïe. Mon deck qui pue la merde. On va l'avoir à la fatigue, je m'inquiète pas. Après il reste au boss. Ouais en fait le truc c'est que si tu joues un deck trop early c'est le danger dans ce mode là. C'est que tu peux te faire baiser parce que t'as plus de ressources. Parce que si tu joues un deck grid dans tous les cas tu te fais rarement baiser en early game et le late game t'as un truc de porc. Donc si j'ai encore un choix, là, il faudra que je prenne du late. Enfin je vois de toute façon quoi dernier choix. Il faudra que je prenne plus de late game dans le deck. En héroïque ton deck passe pas. Ah oui clairement. Clairement en héroïque c'est mort. Le lépreux qui a dernière carte. Le lépreux c'est la last. GG Ikaz, GG à toi. Unité, précision, créature, NP le sort va carry. Carte secrète. Que je le tue à la fatigue. Oh mon dieu. Non. Peut-être que le genre vers Vakari. Non. A l'aide genre vers. A l'aide. A l'aide genre vers.
Il va mourir avec le lépreux. Le lépreux renvoie pour un genre vert, Vakari, hein. Genre, on s'est moqué du lépreux, mais genre vert, il fait la différence, il rentre ses dégâts. Et quand il va le tuer, il va mourir. Oh là là, merci genre vert. Voilà, bien joué genre vert. Genre vert, il a mis la petite carte qu'il fallait. Il a juste pas overkill le genre vert. Il a juste pas overkill. Ok, le dernier. Mais c'était là, j'avoue, j'aurais plus suicide. J'avoue, j'ai pas compté. Yes. Monsieur Musk, on en reprend. On en reprend, 100%. Découvre un serviteur légendaire, on invoque sa copie. Ouais, mais ça vaut pas Monsieur Musk. Bon, après, il me faut du late game, mais si je me prends une AO, c'est chiant. Je préfère prendre Monsieur Musk. Après, ça peut être cool aussi. Ah, je sais pas. Moi, je pense que Monsieur Musk, c'est mieux, hein. Ou alors le trésor, ouais. Vas-y, go prendre Splendeur. En vrai, on pioche quand même pas mal, j'ai deux minestrels. Go prendre le trésor. Le truc, c'est que j'ai peur de me prendre Nao sur l'autre truc. Et on va prendre du late game avec Roi Lich Maligos et le Van Cleef. Bon, après, Maligos, c'est pas fou dans le deck. Attaque et vie tordue, quoi. Mais Mecha, on manque de late game, en fait. Go prendre ça. Go prendre ça, probablement. Triple sang froid, j'avoue que c'était vachement all-in. Une fois qu'un joueur a pioché un serviteur, on n'invoque qu'une copie. Ok. Ok. On va lui donner un roi lich, ça va être terrible. Bon, après, je suis voleur, je peux les tuer avec la dague quoi. Faut regarder la dague. J'ai fini Weeboss, ça n'a pas compté, je fais quoi? J'ai une preuve. Bah le qui a. Bonjour Jean Vert. Ah mais c'est pour moi que ça invoque. Ah, c'est pour moi que ça invoque. Oh. Oh. C'est une offre spéciale. Ça va alors. Ok. Oui, non, pour les deux, je me doute, mais si c'est pour moi aussi, ça va quoi. Ah si j'ai en vert. Putain je te gueule. Ah non, il m'a baisé. Il m'a baisé putain. C'est pas ajuster le coup ça. C'est pas ça ajuster le coup. Quoi? Heureusement qu'il n'y a pas de place. Hein. Allez-y, piochez-en une autre. Merci Jean Vert. Merci Jean Vert. En vrai, elles vont se booster l'une l'autre, c'est cool. Faut juste que du coup je prenne pas de trade avec. Ou alors juste avec celle-là. Oh, ça me va. Vas-y. Genre je fais ça et ça. Ouais, ouais. Et je trade avec l'arme l'autre. Allez les potes. En avant. Ça a déjà été joué en non-exemplaire à une époque dans un voleur pirate mecha. Enfin voleur mecha. Cette carte. Un exemplaire de mémoire. Monsieur Musk, à toi de jouer. Laissez-moi faire.
Non. Non, 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 non. Ça, c'est bien avec Toxie. J'ai pas Targon en main. Non, 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 c'est mort, les gars. Vous oubliez de suite ce que vous venez de voir. Vous oubliez totalement ce que vous venez de voir. Je sais quelle est votre idée, mais vous oubliez cette idée. Go jouer. Non, pas go jouer. Non, non, non. Ça me va, ça me va. Merci, Jean-Vert. Vous oubliez de suite. Beau jeu. Vous trouvez ça beau jeu, vous? Vous pensez vraiment que c'est beau jeu? Go, allez. No balls. Vous êtes vraiment en train de me chauffer, là, les gars. Je vais finir par le faire. C'est vrai que je vous hais. Je vous hais vraiment, les gars. Je prends le trade avec la dague, je vous. Je sais pas pourquoi j'écoute le chat, moi. Bon, bah si clean ça, j'ai perdu. Hein. Vous avez intérêt à gagner, les gars. J'ai plus rien derrière. Oh, c'est terrible ça. Oi, oi, oi. Content d'avoir 10 de mana. Hein. Je vais faire que ça, comme ça j'ai de la place sur le board pour une invoque. Je pense que c'était pas le bon play. Ouais, je pense pas non plus, mais j'ai écouté le chat. Yo, tu vas bien? À l'aise, à l'aise. Oh mon dieu. Ah, j'ai 10 de mana, mais ça m'aide pas beaucoup là. Oh. Après les deux restent en vie, donc pour moi ils carry quoi. Ils s'en battent les couilles les deux, il faut leur vie. C'est grâce au jeu en vert en plus qu'il m'a fait une copie, non? Non, vous résistez mieux que je ne m'y attendais. Tu vois qu'il fallait écouter le chat. Ah, j'avoue, j'avoue. Clairement, le chat qui a proposé le bon play là. J'aime pas Hero Power si jamais il a un Harrison. Aïe aïe aïe. Bien joué les gars. Ah il a zéro cul. Ouais. Oh putain la chatte. Yo Yoshi, tu vas bien? Quoi? Tu peux faire chartir? Yoshi qui me dit que je vais enlever ma veste. Non, il faisait bon, mais il commençait un petit peu à chauffer. Putain, il porte un t-shirt Clutch It. Oh, yo, 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 yo. C'est ton surnom, ça, Orlan. Clutch. Yo, yo. Mais on vanne pas les gens, nous, ici. On est gentils. Ouais. Nous, ils sont éduqués. On les a éduqués. Et la victoire, on a gagné. C'est un mode aventure, il y a un mode aventure. Nous on a des trucs incroyables hein, attends.
Non, vous avez quand même le mode. Comment ça s'appelle là le. Non, le mode. Allez, il va y avoir une compétition là-dedans, non, bientôt, non, créatif là. Y a pas une compète là-dessus qui va arriver? Ah ouais? Ah, c'est cool ça. En vrai, c'est sympa, ça fait un peu de diversité, tu vois, ça ferme pas le jeu. C'est quoi? Ok, pardon. 3 millions d'euros à gagner, ok, très bien. Nous on est là avec nos 20 000 euros, nos 50 000 euros, on est refait. On joue pas au même jeu. Hein. Ok, on n'avait pas qu'à ouvrir les gars. Allons ouvrir ça et puis on fera le mode héroïque. Bon arrive en retard, Yoshi. C'était quand? Oui, je t'avais envoyé un message. Non, pas du tout. Ah merde. Des boss. Oui, éduque-moi. Ah merde. Donne-lui un casque, garde-le pas avec toi. Genre, t'as cru ça Pokémon ou quoi? Genre, je l'attrape.